Tu veux atteindre le royaume de Dieu, tu veux avoir part à la vie éternelle. Relis-moi ça encore. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est par là que tu démontres que tu aimes Dieu. Donne-moi ça dans 1 Jean. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là que tout Israélite doit faire. Donc, crains Dieu et observe ses commandements. Ok? Ça va, ma soeur? Ça va bien? As-tu 2 petites minutes pour nous? Vous avez 2 minutes pour nous? Ok? Donne-moi ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. On va vous démontrer qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu. Ça va, ma soeur? Dis-moi, je vais juste poser une question. Vous allez à l'église? Ok, allez-y, hein? Oui, mais bon Dieu. Qui ça prend nous, bon Dieu? Qui ça prend nous? Comment démontrer bon Dieu pour eux-mêmes? Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous aimons bon Dieu, Mais, l'on observe, nous-mêmes, haïtiens, malgré notre église, malgré nous aimons bon Dieu, nous pas bon même. Ouais, nous en bas net. L'église n'a pas montré nous ça. Livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est comme ça, l'amour pour bon Dieu, l'amour ça consiste à guider les commandements bon Dieu. Pour démontrer que vous aimez bon Dieu, l'on mettez en pratique les commandements. Salement de faire. Bien fou. Ok. Petit tout. Oh, ok, regardez. Ouais. Et comme si vous sortiez là. Petit tout. Bon, faites ça. Ok. Vous tournez, il n'est pas fait. Donc, vous montrez qu'il n'est pas un bon du passage. Ok. Maintenant, tu peux écouter la parole aussi. Ok. Donc, comment tu démontres à Dieu que tu aimes ce que tu l'aimes? Pas français. Car l'amour, le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, moi je te pose la question, aimes-tu Dieu? Tu aimes Dieu? Comment tu demandes à Dieu que tu l'aimes? Relis ça encore. Relis-moi ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont... Attends. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Donc, tu aimes Dieu, donc tu dois garder ses commandements. Maintenant, peut-être que tu n'es pas au courant de tous les commandements. Donc, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Ici, on est ici pour apprendre aux Noirs, aux Latinos et aux Américains. Nous, on fait partie des 12 tribus d'Israël. C'est nous ça. La Bible parle de nous. C'est de nous que ça parle. Okay? Donc, nous, on est ici pour apprendre les commandements. Je vais te donner un commandement. Okay? Un commandement. Comment ça va être le commandement? Okay? Je vais te donner un commandement. Peut-être que tu ne savais pas. Peut-être qu'on ne t'a pas appris ça à l'église. Mais aujourd'hui,
une fois que tu vas retourner chez toi, au moins tu seras instruit au moins de un commandement. Ok, lis-moi ça dans Deutéronome 22. Livre de Deutéronome, le chapitre 22 et le verset 5. Une femme, ne porte une femme, est-ce que tu es une femme? Okay. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc, ça dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Non, moi, un habillement d'homme, par exemple. Monsieur, c'est bon. Trop vite là. Je peux pas dire les filles aussi. Un pantalon, c'est un habillement d'homme, n'est-ce pas? Ok. Je dis ça encore, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Ça, mon fille pas capoté, mon rage garçon. Ok? Là, moi, t'as pas la belle talère, on dit non même on rage garçon. Qui rage? Non même on rage garçon. Non rage avec garçon. Oui, non même. Qui ça garçon côté? Garçon qui ça garçon côté? Chemise à pantalon. Donc, reconnaître chemise à pantalon et pour garçon. Ok, continue. Une femme ne portera point un habillement d'homme. La lido pour ça, une femme pas capoter, on rate garçon sous lit. Continue. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Si nous sommes là, je dis à vous, avec Bible, nous sommes là, avec belle robe, nous sous nous, avec belle jupe, nous sous nous. Qui sont à dire? Tu as dit que ça va bien, que ça va apprendre la parole de Dieu. Donc, Jodia nous vient habituer avec un certain homme qui n'est pas biblique. Ok? Un certain homme qui n'est pas biblique, nous voyons une bonne fille à marcher dans la rue, pantalon sous yo, leggings sous yo. On dit au tout, c'est qui ça pour tout? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses pour ça, n'importe qui monde qui fait bagaille ça. Entendez bien? Car quiconque fait ces choses est un abomination à l'Éternel ton Dieu. Ça son loi. Souvent, mais bon Dieu, je veux. Ou chercher bon Dieu. Ou besoin de la vie éternelle. Vous comprenez? Ou besoin bon Dieu. Bénion. Et donc ça, c'est une loi que nous avons. Dans la Bible, il y a plus de 613 lois. Vous comprenez? Il dit, on ne fait pas qu'à faire des bagages comme ça, parce que bon Dieu, on est un monde qui est abominable. Alors, abominable, ça veut dire son bail qui lui rejeté, mais lui mettre loin. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas supposés à faire des bagages comme ça. Ok? Nous ne sommes pas supposés à faire des bagages comme ça. Ou même, on ne pas comme ça, je dis, hein? On va retourner la caillou. Lorsque tourner la caillou, là, on va commencer à garder pour comment on travaille, comment on travaille pour faire bon Dieu, plaisir. Vous comprenez? Mais le plus important, ça pour connaître ce qu'il y a, ce qu'on fait ces lois, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes 12 petits Jacobiens. Nous sommes 12 petits Lévi. Nous sommes descendants Lévi. La Bible a parlé de 12. D'accord, pour nous-mêmes haïtiens, nous faisons de nous de tout. D'accord? Et ça que fait ouais, nous-mêmes, je dis à nous en bas comme ça. Vous comprenez? Ça c'est malédiction dont Dieu dit sur nous. C'est ça parce que nous ne pas suivre le commandement. Nous ne pas suivre le commandement, mais nous venons prier. Vous comprenez? Mais ça est fort nous. C'est fort nous. Mais je dis à en 2012, ouais, gens haïtiens, il y a tout pis sur nous, il y a discriminé, on a fait nous une bonne injustice. Étrangers à débarquer dans le pays nous. Si tu es président, fais un bon bagage qui passe ça. Mais tout le monde a gardé nous venons perdre respect devant tout le monde. Vous comprenez? Pour qui ça? Parce que nous ne respectons pas la loi bon Dieu. Nous ne pas mettre la loi bon Dieu en pratique. Donc, malédiction que j'ai écrit dans le livre Deutéronome chapitre 28, tombe sur nous. Ou pas, j'aime tant des haïtiens toujours à dire, mes amis, ça me fait payer. Ça me fait payer, ça veut dire, on a cherché une solution, on a regardé comment vous faites pour mener partout. Tout ce qui est là,
pasteur nous pas apprendre nous bah ça yo. Puis ça même pasteur qui a c'est même nous ça, c'est même nous ça qui est tout. Qui dit comme ça, qui dit comme ça que Jésus remet tout le monde à la honte badère. Non, c'est pas vrai, bah, ça n'est pas biblique. Ça c'est l'église catholique qui va nous. Ça c'est l'église protestante, c'est ça, le christianisme, le monde du christianisme enveloppé, que ce soit témoin de Jéhovah, baptiste, pentecôtiste, adventiste. N'absolument. Donc, faut nous retourner à bon Dieu. Ok? Merci. Donc, à ce coordonner sur ça. Oui. Si vous avez des informations, besoin, venez-nous. Oui, bien sûr. Un petit prochain. On a les pasteurs. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.